les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? L'heure est grave. Bon, après 3 mois sans prendre soin de moi et de mes cheveux, et le bol, il est où? Je sais pas. Mais tu me prends un bol, n'importe. Non, mais pas quand même, Tissène. Oh, Tu vois bien qu'il est tout tordu, c'était les celui-là. deux pinceaux qu'il y avait. Ben, je vais finalement faire ma couleur, les enfants. Ouais, alléluia, alléluia. Non, parce que Tissène, elle veut à tout prix qu'on aille faire des photos dans la nature. Non, mais attendez, je vous explique. Hier, j'ai bouclé mes cheveux pour faire des Oh photos là Insta. là. Non, mais moi, ça fait 4 jours que je dors avec une tresse, hein, donc je vous le dis, je sais plus quoi faire de mes cheveux. Donc Tissène a décidé d'aller faire parce qu'il fait pas trop soleil, il fait une lumière, elle est bien la lumière comme ça, non? Il fait mi-gris, mi-jour. Ouais, il fait gris, mais il fait très chaud, il fait 28, hein. Il fait 28 degrés, donc là j'ai décidé quand même de faire mes Mais racines. c'est le temps qui annonce la pluie parce qu'il doit pleuvoir à 20 h. Ah. Donc je vais faire ma couleur. Et en plus, pendant que nous étions tous confinés, je me suis commandé des petits produits grâce à Nathalie de la coupe de la chaîne Ta coupe de Playmobil. Non, tu regrettes ta Nat coupe. Extension, je crois qu'elle s'appelle madame. Non, c'est tu regrettes ta coupe de Playmobil. Hein. Notre extension, c'est sur notre page. Hein. Ouais, elle n'a pas changé de nom. Non. Donc c'est ma petite copine depuis très très longtemps. Ça fait très 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 longtemps qu'on se connaît avant les réseaux sociaux. Et elle m'avait conseillé d'acheter ça, le blanc mie. Parce que moi je faisais toujours avec une poudre Voilà, décolorante. J'achetais décolorante. toujours. Là c'était la Fanola. Je trouvais pas le résultat top. Un Top. truc. Un oxydant le moins cher. Parce que ça coûte quand même un bras. Et là du coup j'ai acheté le lot. Oh, j'ai la serviette qui se part. C'est pas grave. Je vais pas filmer en bas. Donc du coup là elle m'avait conseillé de prendre celui-là. Elle m'a dit que c'était le meilleur. Donc j'ai pris ça. Et j'ai aussi pris l'oxydant. Ah, sachant que à Bleu Libellule, ça coûte 60 € et je l'ai eu à 26 € sur Amazon. Non, j'en ai pour un moment. Et ça, pareil. Bon, ça, par contre, je l'ai pris sur Bleu Libellule, 13 €. Donc ça va. En sachant que celui-là, d'habitude, je le paye 6 € mais je préfère avoir les deux parce que je pense que ça sera mieux pour moi. Et j'ai pris le 30 volume, le 9%. On m'avait dit de prendre le 20, mais j'ai peur d'avoir les racines trop jaunes. Donc j'ai pris le 30 volume, ce que je prends d'habitude. Et je ne sais pas du tout parce que je pense que le blanc mie, là, il a déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur. Mais j'avais quand même acheté l'Olaplex, moi. Je me sers toujours de l'Olaplex. Je vais quand même en mettre dedans. Je vais lire, mais je vais quand même en mettre dedans. Ça, c'est pour vraiment protéger les cheveux pendant les décos. Et grâce à ça, c'est vrai que je ne perds pas les cheveux quand je me le rince. Donc voilà, donc là, je vais faire ma couleur. Je vais essayer de la faire toute seule. Après, ça coûte. Et petite scène, par contre, derrière, tu m'aides. Sinon, je ne vais pas faire les photos. Il faut préparer plusieurs tenues. Non, mais ça, c'est pas grave. Moi, les tenues, c'est vite fait. Moi, je ne me fais pas chier pour mes tenues. Bon, allez, on y go! Allez, c'est parti! Par contre, je tiens à vous préciser que c'est une arnaque! C'est pas du tout plein. Hein. C'est. Attendez, attendez, attendez. Voilà. Attendez, je suis en train de regarder parce que j'ai les poids-poids à l'air. J'espère que je vais regarder, mais j'espère qu'on m'a pas vu mes poids-poids dans la vitre en face. Voilà. Par contre, voilà, c'est jusqu'à là. Donc, ça sert à rien de faire des grandes boîtes pour ça. Hein. Regarde ce qu'il y a dedans. Il y a ça! Il y a ça C'est dedans. des radins. Alors, Nat, tu me diras si c'est normal, mais il y a ça dedans, hein. Voilà. Donc, mettez pas une grosse boîte pour ça, hein. Ça sert à rien, hein. Gaspillage, pensez à l'écologie, je sais pas, mais pour mettre la moitié, autant faire une boîte plus petite, hein, gaspiller moins de plastique. Il y a marqué combien de grammes? Bon, ça doit être les bons grammes, mais... 450 grammes. Ouais, c'est ça doit être 450 grammes. Mais bon, voilà, quand ça sert à rien de mettre une grosse boîte. Bon, après, en tout cas, je l'ai payé moins cher que Bleu Libellule. J'espère que Bleu Libellule, il est pas jusqu'à là, sinon ça vaut pas le coup. Parce que du coup, ça vaudrait son prix. Puisque c'est le double du prix de ça. Ouais, parce que peut-être Bleu Libellule, c'est plus que 450. Ouais, je vérifierai. Je vérifierai. Bon, moi, de toute façon, avec ça, j'en ai assez. Pour un moment. C'est parti! Elle m'a ramené un bol, on y go. Bon, voilà à peu près ce que j'ai fait. Voilà. Donc là, on attend. Je vais attendre entre ouais, 45 minutes à peu près. Et après, je vais aller rincer tout ça. Voilà. Je vais rincer tout ça après 45 minutes. Mais on attend. Voilà. Franchement, elle a l'air top parce que j'ai l'air d'avoir les racines bien blondes quand même. Ouais. Voilà. Ouais, elle a l'air top. Je vous dirai ça quand j'aurai rincé, quand je vous montrerai. Bon, ben du coup, voilà le résultat. Franchement, c'est nickel. Bon.
Là, c'est un peu, on va dire, je ne sais pas si ça se voit dans la caméra. C'est un peu gris parce que j'ai fait une petite patine en racine. Mais franchement, la couleur, elle est nickel. Elle est bien blonde, là. Franchement, c'est nickel. Voilà, vous voyez, là, c'est un peu gris. Mais nickel. Franchement, elle est géniale, cette couleur. Elle est géniale. J'ai acheté sur Amazon et ouais, j'ai bien fait d'écouter Nat. Tu vas où? Tu cherches quoi? Tu fouilles quoi? T'as des lunettes de soleil bizarres, avec des Ah? formes bizarres. Non? Tu crois que j'ai des lunettes en forme de cœur, en forme de fleurs ou quoi? Comme les années Mais j'ai Peace un and nez. Love? J'ai le nez qui coule parce que j'ai cherché. Alors là, on était en train de chercher des tenues. Je vais vous montrer. Attendez, je vais mettre une. Putain, c'est là qu'il On faut est que en je. train de préparer des tenues, les pyjamas de tout le monde, les habits de Tissène. On est en train de préparer des tenues. Donc moi, j'ai ma première tenue sur moi. Je vais prendre que le haut parce que bah, le bas, c'est toujours pareil, quoi. Après, je me suis pris un autre haut que je mettrai avec ça. Et après, je me suis pris une robe pour faire une tenue en entier. Tissène, t'as trouvé quoi, toi? Je vais le ramener parce que je sais pas. Ah, le nez! T'as trouvé quoi, toi? Ah, c'est bien le chargeur. T'es où? Elle a trouvé ça, je crois. Ouais. Il y a mon slip à côté, Ah, tu tu pourrais mets vite ça, éviter toi? mon slip, me Oh, filmer c'est un mon maillot de slip. bain. Toi, tu mets le chapeau? Là, je vais le mettre avec, tu sais, le short et truc. Mais en fait, je voulais un bob. Je veux acheter un bob Jacquemus C'est quoi Rhodes ça? qui coûte 100 euros. Tu connais pas Pas du Jacquemus? tout. Mais si, les petits sacs Jacquemus. Tu connais pas la marque Jacquemus? Non, je C'est connais comme pas si la tu me dis, je marque. connais pas Balenciaga. Ah, mais non, je connais pas Jacquemus. Moi, je suis pas la Bref, mode, hein. en rupture! Arrêtez de tout acheter! Ça fait 3 mois que je le cherche! Voilà, compris? 100 euros, c'est cher, mais il est Oh, c'est trop très beau, cher. maman. Il est Ah, robe. les bobs là! Oui! T'as quoi sous le menton là? Quoi? T'as du poil? Non, oh, c'est. Oh, c'est de la mec. C'est sûr ça. T'allais me dire quoi, On niveau y va? poil? J'allais dire. Ouais, j'allais dire, elle voulait que je mette un chapeau, mais comme je lui ai dit, j'ai pas fait les racines pour rien. Hein. Regarde, moi, je suis. J'ai juste un lèche-cheveux. Ouais, toi, mais moi. Putain, moi je me déshabille pas s'il y a du monde. Déjà, il faut qu'on trouve le coin. On va chercher un coin pour faire les photos. Un petit pas quand même, non? On Et prend après, on rien, va hein? faire déjà un coin en ville. Quoi, en ville? Oui, mais en ville avec des immeubles, c'est avec des. Tu crois que je vais me garer en ville? Et que je vais faire les photos devant les gens? Habillée comme ça? Je me suis habillée à l'arrache? Ah, tu t'habilles à l'arrache alors qu'on va faire des photos. Ça, c'est pour me prendre qu'en haut. Et la robe, c'est pour me prendre en entier. Ben, au pire, on mettra la robe, ce sera pour en ville et on va d'abord à la campagne. On verra. Bon, on y va déjà parce qu'il Oui. pleut là dehors. Regardez, on a trouvé un super beau coin. Alors par contre, j'ai le vertige, je me recule. Tissène couchée par terre en train de faire des photos. Et c'est trop trop joli. Regardez. Waouh, c'est trop belle. Il y a un peu de gens, mais on s'en fout. C'est comme si de rien n'était. Regardez comment c'est trop trop belle. Parce qu'il y avait trop de monde, il y avait du monde qui se sont arrêtés, et puis d'un coup il y a eu deux jeunes là qui se sont arrêtés, qui ont commencé à nous dire si on les dérangeait pas, non, si ils nous dérangeaient pas, donc du coup on a préféré partir avec, hein, coronavirus. Hein. On va nous donner leur corona là. Donc là, Tissène, elle doit se changer dans la voiture. Il me reste deux tenues. Moi, il me reste une. Je me suis changée. On a quand même fait des petites photos. Ça va, hein, pas mal. Hein. Ouais. Hein? On va faire une devant des bâtiments. Enfin, devant une école. Putain, je Ouais, crève, c'est trop désolée. court là-bas, un truc. On a trouvé. J'ai des poils au bras. C'est C'est ça, pas hein, grave, quand tu as souris. des Instagram, il faut essayer d'avoir des photos, quoi. C'est-à-dire, il faut tout le temps se maquiller, se préparer, quoi. Tout le Ou temps, alors. t'as le culot, c'est la première fois que tu le fais. Ouais, c'est vrai. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Il faudrait tout le temps faire ça. Ou alors, hein, on prend l'application, comment il s'appelle? Perfect 35, et puis on se maquille, quoi. Ouais, mais c'est pas. Tu vas pas faire que des photos à la maison, hein. Donc là, on connaissait ce coin, on pensait qu'il allait avoir personne, mais il y a eu tous les jeunes du coin qui étaient en train de se baigner un petit peu quand même, non? Ouais. Bref, voilà. Allez, bisous. J'ai mal au bras. Je récapitule. Alors, les enfants, Tissène, elle a voulu venir faire des photos, mais regardez comment elle s'est habillée, la fille. Et moi, elle m'a choisi ma tenue. Elle m'a dit, maman, prends cette robe avec une ceinture. Et vous savez à quoi je ressemble là? Franchement, je ressemble à une gitane. Je peux même pas faire de photos. Ce n'est pas la première fois, hein. C'est comme ça, hein. Ah oui, mais Je non, mais tu aurais pu quand même me faire prendre une nouvelle tenue quand même, que je sois belle.
Regardez comment elle s'habillait, elle, stylée et tout. Eh maman, je vais te choisir les habits. Oh, elle m'a choisi les habits. Je sais même pas quelle pose faire avec cette robe. Vas-y, tombe le téléphone. Madame croit qu'il va tomber. Non, mais attendez. Elle avait posé le téléphone ici. Mais regardez. Regarde, elle avait posé le téléphone ici, droit. Après, elle va m'appeler un peu en maman. Il est gazé, mon téléphone. Mets le téléphone par terre. Coronavirus. Mais... Il n'y a pas le corona par terre. Non. Et tu veux faire quoi, en fait? Je voulais faire un TikTok. Ah oui, tu vas faire un TikTok avec ma tenue de gitane, là. Attendez, je vous promets, je suis comme ma mère. Tu veux mes... Ouais. Tu sais quoi, tu vas te déshabiller, je vais m'habiller comme toi. Voilà. Quel culot. Je mets ça et j'ai le haut Dragon Ball long, si tu veux. Ah, je vais mettre quoi? Ah ouais. Ah ouais, j'aime. Ça sera mat. Ah, je vais me changer. On va pas je vais me changer, les enfants. Ah non, coronavirus aussi. Non, mais coronavirus partout, hein. Attendez, on cherche un coin. Non, mais regardez les poubelles des gens, s'il vous plaît. Regardez. Non, mais regardez. Regardez. Oh merde, il y a des gens. Les poubelles, elles sont pleines. Les poubelles, elles sont pleines. C'est dégueulasse ici. Pourtant, c'est un joli petit coin. C'est ici, on faisait la Zumba. Franchement. Regardez la taille des chaussures, vas-y. Bah quoi, c'est joli, hein. Regardez la taille des chaussures. On dirait qu'elle a mis des bateaux dans le pied. Waouh, elle est belle, celle-là. Ah mais c'est bon, alors t'en as une. Non, parce que c'est mal cadré, il faut refaire. Ah c'est ça, ouais. Non mais qu'est-ce que c'est que ces chaussures, que c'est vilain avec ces mollets comme ça. Regardez ce que je fais. Je mets sa tenue et elle a mis ma tenue. On a échangé nos tenues. Elle est en train de... elle s'est fait mal au doigt. T'as mal? Laisse-moi tranquille. Elle a voulu rattraper son téléphone, elle a tapé le doigt contre la porte. Vas-y là. Elle a mal, hein. Allez, viens, montre-nous comment t'es belle avec mes claquettes. Claquettes chaussettes. Yo. 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 Yo, 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 yo. 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 Qu'est-ce que c'est ça? Je suis belle ou quoi? Est-ce que je suis belle? Ah. Oh non, il y a un chien. Chien qui arrive en courant, il voulait me manger. La tenue de Tissette. Ah mais en fait cette jupe elle grossit. Pourquoi sur les côtés. Mince. Non ça te va, mais moi je suis sûre que ça me grossit. Mais ça te va les jupes comme ça, pourquoi tu mets pas ça? Parce que c'est moche. Non, t'es pas à l'aise dedans? Dis la vérité, est-ce que t'es à l'aise dedans? J'ai la foufoune qui s'aère. Et avec les claquettes, ouais. Il m'abîme pas mes claquettes à 400 euros, hein. Sinon, moi et mes boutons et mes taches, voilà, et mon double menton, et bien on va passer au meilleur moment de la soirée. C'est ça. Oh là là, là, ça, franchement, c'est le meilleur moment de la soirée. Attendez, j'attrape mes cils avec. Je respire. Démaquillage, enlevage de cils. Oh là là, qu'est-ce que j'aime. Bon, mais voilà, on a passé une bonne petite journée. Un petit peu quand même, non? Ouais, je voulais vous montrer aussi ce que je vous avais pas montré la dernière fois. J'ai oublié. C'est là qu'il faut que je regarde. Bioderma. C'est celle-ci que j'ai achetée pour ma tâche, là. Franchement, regardez, elle se voit. Bon, on va pas compter ces deux trucs-là. Ces deux invités là qui sont venus s'inviter chez moi. Mais franchement, regardez. Franchement, c'est parce que je me suis exposée. Sans protection. Du coup, j'ai acheté ça et on verra. Soin et réparateur à pesant. Très haute protection. Peau abîmée, exposée au soleil. Donc, par contre, elle est toute petite. Hein. Elle est vraiment petite. Hein. Elle fait 30 ml. Et j'ai payé. Bon, après, je ne l'ai pas payé trop cher. Je crois que je l'ai payé 6 ou 7 euros. Et aussi, je me suis acheté ça. Alors, tout le monde en parle. Juste avant le confinement, je devais me l'acheter chez... chez Marionnette, je crois. Non, pas Marionnette. Ni Sephora. Chez Nocibé. Il y en avait en stock dans ma ville. Et finalement, pendant le confinement, mais il n'y en avait plus. Et ça, c'est le même... c'est un peeling, en fait. C'est un peeling... je crois que c'est aux acides de quelque chose, de fruits, peut-être. Quelque chose comme ça.
Je peux pas vous dire exactement, je le sais, mais je veux pas dire de bêtises. Et elle me le met quand j'avais été faire mon dermo. Je sais plus le nom. Juste avant le confinement, j'avais fait deux. Un dermo. C'est quoi que j'ai fait déjà? Je sais plus. Ben, je vous avais filmé tout ça. Et elle me met ça aussi sur le visage. C'est vraiment bien. Donc, du coup, je l'ai commandé sur Cdiscount à 9 euros, je crois. 9 ou 7 euros. Ouais. Donc, je vous en parlerai un peu plus très vite. Ouais. Mais soi-disant, c'est pas mal. On verra. Bon, là, je vais passer à mon démaquillage. Et puis voilà, je vais nettoyer mes cils aussi. Je vais essayer d'aller les nettoyer comme il faut. Parce que je galère à les nettoyer. Si vous avez des idées, des solutions pour nettoyer les cils comme il faut, sans les abîmer, etc. Je veux bien savoir parce que je le fais avec de l'eau savonneuse. Mais je galère et ça part pas trop. Donc j'essaie de les démaquiller aussi avec un démaquillant, mais pareil. Donc je veux bien avoir la solution pour bien nettoyer mes faux cils. Voilà, bon là je vais me démaquiller. Voilà, le vlog, une petite journée se termine. Et puis prochain vlog, je ferai d'autres petits vlogs parce que je sais que vous aimez les vlogs. Et donnez-moi aussi, j'ai des idées vidéo que vous m'aviez données. Là, j'en ai une que je compte faire très bientôt. Mais il faut que je passe une commande d'abord. Et puis donnez-moi aussi des petites idées si vous voulez que je vous fasse des petites vidéos et tout ça. Parce que voilà, hein, votre avis m'intéresse évidemment. Et puis voilà, je suis très active aussi en ce moment sur Insta. C'est très très bizarre parce que moi sur Insta, j'ai du mal. Mais là, en ce moment, je suis très active. Je mets plein de petites photos. Je mettrai les petites photos que j'ai faites aujourd'hui. Sur TikTok aussi, je suis très très active. Et sur Snap, évidemment. Voilà, donc je vais passer au démaquillage. Je vous épargne les horreurs. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. J'aime bien quand ça claque comme ça.